Yo, les vilains. Et donc voilà, je avais promis des vidéos mécaniques. Et ben voilà, c'est fait. Donc comme vous pouvez le voir, là Eric c'est sur le pont. Je vais mettre des élargisseurs de voix. Et je vais changer le silencieux. Donc ce sera sûrement dans une autre vidéo le silencieux parce que bon, il y aura un petit peu de bruit. Donc bon, c'est pas trop gênant. On est à l'atelier là, donc forcément. Ce sera pas trop silencieux. Allez, on commence. C'est ces bêtes là. 15 à l'avant, 20 à l'arrière. C'était pas les bons. On va nettoyer ça. Un peu de graisse cuivre. Déjà, c'est vite que la jante elle colle. Là, comme je vais mettre les élargisseurs, je vais pouvoir les redémonter, donc s'il y a besoin. Pas sur les disques, on en met juste sur le plan où il y a la jante qui repose. Hein. Les petits écrous. Cinq. Sort de voie, quand même vérifier que ça rentre dans la jambe. Impeccable. Tout de suite contrôler la jambe. Impeccable.
serrage au couple. Ça passe proche, hein. Plus gros. On regardera ce que ça donne à la fin. Allez.
T'élargis les voies, ça respire pas assez. C'est quoi? Ah, t'élargis les voies. Mais lesquelles? Il fait du tuning, le Sebu. Hein? Il dit qu'il fait du tuning, le Sebu. Bah, je vais mettre un petit carrossier après. Non. Non, non, je fais juste. Ah, c'est bien, c'est la double boulonnerie. Pour que ce soit joli. Ouais. Est-ce que t'as accroché le réchauffe, non? Non, le réchauffe, c'est l'échappement. Ah! Ah, ça y est, t'as des flammes? C'est quoi, c'est un cobra? C'est pas mieux, quoi. Non, c'est un drift shop. Ah ouais, ils font direct ouais. Leur truc. Cool. Donc, ça va chanter. Un petit peu, j'espère bien quand même. Bah, tu vas gagner du poids aussi, parce que les lignes d'origine en général, ça pas les lignes autres, c'est un domaine mort. Et puis voilà, donc j'ai les ressorts courts aussi. Ah ouais, t'as pris la totale. On est back aussi. Et t'es certain du fitment avec les câbles et tout, t'avais regardé à peu près. C'est normalement, ça se monte sur l'origine. Ok. Donc, bon. Mais je viens de voir que mon suspension, elle a fuité. Ah oui. Et voilà. Voilà ce qui arrive. On se blesse. Et voilà, les quatre élagisseurs sont posés, on va serrer les roues, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Bon, normalement ça devrait donner pas mal déjà juste comme ça, mais après moi j'ai prévu de rabaisser la voiture, donc avec des ressorts courts et back aussi, comme les élargisseurs de voie. Donc bon, allez, voyons ce que ça donne.
Ah oui. Ah oui. Ça donne bien. Là. Là, ouais, ça déchire. Bien. Eh ben, c'est terminé pour les cales. On se voit pour la prochaine, ce sera le silencieux d'échappement. Hein ? Ouais, ça va être pas mal. Allez, tchuss, à la prochaine.